Et bonjour à tous et à tous, on se retrouve pour notre petite bataille face à Crâne Rouge. Bataille qui risque d'être tendue. Notre avantage une fois de plus c'est qu'ils ont aucun tireur. Un petit peu de cavalerie, mais on a un petit peu de lanciers. Et ils ont quand même des unités, surtout je pense les champions de cornes là, ou les maraudeurs de cornes, qui à mon avis sont un peu énervés. Leur héros aussi a l'air sacrément costaud. Ils ont zéro magie. Ce qui veut dire qu'on va également pouvoir se faire plaisir là-dessus. On est en défense. On a une position défensive pas dégueulasse ici. On pourra la prendre. Hop. De base, eux on va les mettre derrière. Eux ils vont se mettre en frontal. Pisse pousse ici. Toc. Eux on va les foutre dans la forêt. Si jamais ils ont l'occasion de gérer. Alors j'aimerais bien que ce soit des cossards à lance sur les côtés par contre, s'il vous plaît. Hop, histoire d'encaisser si jamais ils nous envoient de la cave. Donc, monstre volant. Alors, qu'est-ce qu'on a avec nous? On a ça, on a de quoi les ralentir un petit peu et on a une tempête de grêle. Le bâton interdit qui nous régénère de la magie si on prend des dégâts. Ça, ça sert à rien puisque ils ont pas de niveau. Par contre, ça, ça pourrait être pas mal. Et bon, globalement, ça risque d'être un combat un petit peu vénère. Alors, ils avancent tranquille. Enfin, ils courent, mais ils sont loin. Ils ont fait une très très grosse ligne de front. On est un petit peu plus condensé que ça. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Ok, ils sont capables d'invoquer des trucs. Là, je pense qu'on devrait être capable de pouvoir gérer. Par contre, ici, là, ouais, faut m'allumer ce con là. Je peux pas vraiment lancer de sort sur eux encore. Ça, c'est du sanguinaire. Je préférerais faire un truc un peu plus intéressant, genre là. Donc là notre seigneur se fait attaquer. Hop. J'ai pas vraiment de bon endroit où lancer ça. Ici il souffle quand même hein, face aux chiens de corne. Ça m'embête un petit peu parce qu'il y a des sanguinaires qui arrivent derrière en plus. Mais bon, au moins on va être capable d'en allumer pas mal. Mais vu la ligne de front qu'ils ont fait, fatalement... Hein... Mais je pense que c'est leur héros clairement qui va être le plus dangereux. Hein. Il a pris une potion de soin en plus, le petit Cornio. Hop, c'est parti, on va balancer un petit sort quand même par là. Là du coup il va falloir aller vous occuper de ça parce qu'il y a beaucoup de monde qui arrive. Ici on continue de tirer mais voilà quoi. Essayez donc de vous occuper de cela. Là, on est capable de tirer. Ils font quand même mal ici. Eux, ils vont céder, très clairement. En plus, ils ont des dégâts enflammés. À cause de l'autre derrière dans leur dos, là. Ouais, c'est le drame, il va falloir envoyer du renfort, même si ça m'emmerde. Attends, on a réussi à lui faire 0 PV quoi. Oh la vache, 640 de puissance des armes, non mais sérieusement.
démoniaque. Elle a une résistance physique, ne s'enfuit pas et misée contre la terreur, elle subit des dégâts lorsque le commandement est bas. Ouais, enfin... Il va quand même falloir tenir quoi. Donc ici ça cède, ici c'est en train de céder également. Là va falloir commencer à tirer là. Je sais qu'ils ont des bons boucliers et tout et des grosses armures mais... à caler mon angle ici là. Ah, parce que elle, il faut que je la dégage du combat là. Ok, ici c'est globalement plutôt la déroute, ça fait plaisir. Lâche vos guerriers fuient. Ah, ils ont tenu quand même jusqu'au bout hein. Je peux pas dire le contraire, mais ici, ouais, ça, c'était vraiment trop la violence. Regardez-moi cette grosse saloperie là. En plus, il a le corps de corne. Ici, bientôt, ils vont être trop, trop éloignés. On va essayer de faire un maximum de dégâts sur celui-là. Est-ce que ça vaut la peine de lancer ça? Non, pas vraiment. Faut se dégager de la, du combat, même si c'est chiant. Guerriers du chaos, ils me poursuivent. Je sais pas ce qu'ils foutent eux, mais ils font chier le monde. Je pense qu'on peut utiliser ce terme. Ici, c'est parti pour un petit sort. Toi, il va falloir que tu profites, que tu combats pas pour récupérer un petit peu parce que. Ah oh, putain. Et réinvoque des sanguinaires. Bon, le front s'est totalement écroulé là, et en plus l'autre là est absolument pas endommagé. A mon avis, ce qui joue c'est qu'on est fatigué. Hein. Le raid là, c'est vraiment la grosse erreur quoi. Et alors leur chef là... Oh, sérieux quoi. Mais cela dit, les guerriers du chaos je pense qu'ils jouent aussi, hein, c'est clairement une unité d'élite. Ils sont très lents. Ils ont mis du temps à arriver, mais alors 91 de commandement et 100 d'armure, plus un bouclier de ce type-là. On peut balancer un petit sort des familles dans le tas, là. Ça me paraît pas mal. C'est pour ça qu'il va sauver la game, mais... Pisse Pouce est en train de totalement se faire dépouiller. Ouais, on perd du terrain, mais bon, là. Au lieu de faire avec. Hein. Terrifié. Ah putain. Le héros, on lui a enlevé, mais 0 PV quoi. C'est absolument dingue. Le héros à lui tout seul, il était capable de défoncer notre armée quoi. Regardez-moi ces flammes là. Le corps de corne plus 24 d'attaque en mêlée. Notre héros est décédé malheureusement. C'est la fin de Pisse Pouce, mais on peut balancer une petite tempête, ah c'est peut-être un petit peu trop loin. Non, ça fait quand même du dégât. Ah on peut pas gagner toutes les batailles, hein. Ça nous met un petit peu dans le mal, hein, forcément. On a quand même fait des dégâts. Tu peux relancer un sort toi? Bah vas-y, relance un sort. Bien dans le tas. Pourquoi non? Ah elle peut pas parce qu'elle est en train de se faire dépouiller la tronche. Ok, elle a réussi. Il nous réinvoque une unité. Ouais, la tempête de glace qui fait quand même le taf. Hein.
Et elle est indémoralisable, c'est ça? Ouais, donc elle va fight jusqu'au bout. Elle est un peu en galère, hein. Une belle épée, mais il y a un peu trop de monde. Défaite valeureuse. Et oui, défaite valeureuse, mais défaite. Ok, donc les mecs de Korn, et surtout leur héros là, ils sont sacrément vénères. Je pense que. C'est vrai, remarque, c'est peut-être même pas un héros légendaire, hein, c'est un seigneur exalté. Mine de rien, c'est peut-être pas. Ok, défaite valeureuse. On se replie. Je sais pas s'il a assez de mouvement pour nous finir, il était quand même loin. Hein. Non. Bon putain, mais il a rien perdu quoi. Bon, on en termine ici, donc on va pouvoir rentrer au pays avec notre armée principale s'il faut. Mais clairement, Pisse pousse à souffrir là. Enfin, elle est décédée, je crois. Hein. Enfin, on va voir si elle est vraiment décédée ou si elle est blessée, mais. Il disait quand même que la mort étreignait notre seigneur. Hein. Ok, là il avance. La fraternité de l'ours, maintenant que s'est débarrassé de ça, décide de venir se balader par ici. C'est gentil de sa part. Malvinette, elle va continuer d'essayer de laminer un petit peu en haut là. Si elle peut. Ah, lui décide d'avancer cette fois. Bon, écoute, fais ta vie. Alors là, on va avoir un assaut, non? Même pas. Qu'est-ce qu'ils font? Il se met à raider là. La voix de la terre. Un vieux paysan vous implore pour une audience. Selon ses dires, il aurait découvert une immense fissure dans la terre gelée de laquelle émane la voix sacrée de la mère patrie elle-même. Elle exaucera un vœu, puis la fissure disparaîtra, explique-t-il. Son récit est peu crédible, mais il serait imprudent de l'ignorer. Alors, on peut prier la terre. Rang recrutement pour les bestioles. Ou prier les cieux. Temps de repos moins 20% pour les sorts du domaine de glace. On va prendre ça vu qu'on n'a pas moyen de recruter d'autres personnes. Alors ici, on a malheureusement Pisse-Pousse qui est mort au combat. Désolé Pisse-Pousse. Alors, on a notre petit boyard level 4 là. Qui va, je pense, du coup reprendre le terrain. Volé par l'ennemi. Ah, du coup on est coincé là, sérieux, on peut passer ici ou pas? Ouais. On peut traverser par là, mais ça va être compliqué. Il est en marche forcée là. On va avancer. Si on peut se replier à Volsgarn, ce sera l'idéal. S'il attaque, bah il attaque. Hein. On a quand même une belle garnison. Très belle garnison, on a notre boyard. Par contre ici... Ça casse les couilles qu'il attaque pas. Il joue l'attrition une fois de plus, hein. Il a raison. On va essayer d'attaquer encore un petit coup. Succès, parfait. Elle a gagné un auxiliaire qui sert à rien, enfin qu'elle peut pas prendre. On va le prendre. Où est-ce qu'il est, ah, on l'avait peut-être déjà. Ouais, régisseur, on en a déjà un. Non, on en a pas un, pourquoi? Ah, il peut être équipé que par les seigneurs. Bah, c'est un peu con du coup. Ah, du coup, on va regarder ça. Et t'as gagné un petit point. Assassiné. Bon, là, il doit commencer à être dans le mal là. Ok, alors du coup. Si on attaque, ce sera une défaite valeureuse. Ouais, c'est vrai qu'il est dans le mal. Hein. Chier. Fâchier, fâchier. Oh putain, il est déjà rendu à 185, sérieux quoi. Elle est très dure cette campagne, je confirme. Là, on a nos renforts qui arrivent, mais il leur fallera encore un ou deux tours pour arriver. On va voir comment s'en tire.
Ici on prend le cercle. Le cercle de l'orgueil. Ce cercle est un jardin, un labyrinthe de végétation taillée couvert de magnifiques roses. Chaque fleur dégage un puissant parfum qui vous rappelle des gloires passées, de grandes actions ternies par le temps. Les revivre vous rajeunirez probablement dans le présent. 90 000 dessous, l'amande du prince du chaos. 250 de croissance, 25 d'autorité, moins 50 d'autorité dans la province locale ennemie. Waouh. Ah, le parfum de la gloire passée. Vous n'avez pas le temps de vous prélasser dans votre propre orgueil. Avançons. On y est presque. On galère un peu, mais on y est presque. Donc là, on est en train de reculer. Hein. Si cette ville-là tombe, bah, on va reculer. C'est chiant, mais c'est comme ça. Pas trop le choix. Ici, normalement, on est bien défendu sur notre deuxième cercle. On va donc devoir se permettre, je pense, de passer le tour. On va quand même recruter notre demoiselle ici, histoire d'être prête au combat. Un petit baiser de la Vierge des Glaces. Tu vas prendre le givre mortel, niveau le max qu'on peut. Parce que si on peut faire mal au seigneur, c'est avec ça. Tu vas prendre une arme, et puis un objet, pourquoi pas, au niveau des trucs que tu peux prendre. Pourquoi tu peux pas prendre ça? Ah non, c'est pas un seigneur, c'est vrai, elle c'est pas un seigneur. Ok. Et on passe le tour. Les exilés de Khorne. Alors qu'est-ce qu'il va faire? Est-ce qu'il poursuit notre armée? Est-ce qu'il attaque? Il fait rien. C'était peut-être pas les exilés de Khorne, lui, je sais plus. Le Verloren Nurgle, il fait sa vie. Ah, c'est Crâne Rouge, ok. C'est pas les exilés de Khorne, c'était Crâne Rouge. Notre armée va pouvoir se replier en ville et se refaire tant bien que mal. Ouais, Pispous aura fait le taf, mais malheureusement elle aura fini par céder. Je pense que le nouveau boyard ça va être Quack, qui sera là pour venger Pispous. Pour ceux qui n'auraient pas suivi les épisodes de Wildermyth, hein, Pispous qui était... Putain, tu traînes mec, faut que t'ailles plus vite. Pispous qui était la combattante protectrice de Wildermyth avec son canard, Quack. Ok, là il y a des mecs qui grouillent un peu, mais c'est rien non plus de très fifou. Le clan Mulder, il nous renvoie pas de... d'armée. Ah, il tente des trucs par contre. Qu'est-ce que tu veux toi? T'es en guerre contre qui d'ailleurs? La vague de plaisir, les disciples de la gueule. Il voudra un accès militaire en échange d'un peu d'argent. Oui, ça me va bien. Un petit peu d'argent pour un accès militaire. Voilà, oh la vache, il a quand même deux mammouths de guerre lui, hein. Ouais, ils sont en train de contre-attaquer grave. Et on n'a pas ce qu'il faut pour les arrêter. Ursune rugira. Ah. Elle va bientôt avoir de nouveau des petites saloperies qui nous tombent dessus. Très très bien. Alors ici, on se met en marche normale et on se replie là. On n'a pas perdu tant d'unités finalement, ça va. On pourrait presque attaquer celle-là, mais je suis pas confiant là. Elle a dit, vu la récupération qu'on a, c'est un peu de la merde. Hein. Allez, tu seras Quack, le canard. Hop là. Ça fait classe, non, Quack le canard. Ici. Ouais, si on met elle dans l'armée, il y a quand même moyen qu'on puisse. Hein. Si on fusionne, on se retrouve avec une unité comme ça à fond, une unité comme ça à fond, deux unités à fond. Et lui, bah, c'est ces mammouths là qui font mal. Hein. Il a aussi un champion maraudeur.
Son chef de tribu, il est également relativement énervé, mais là on a rien pour équiper lui. On pourrait prendre ça, ça, ça et ça. C'est des bonus pas forcément intéressants dans le contexte, mais quand même. Surtout les mammouths, hein. Mais cela dit, vous voyez que les mammouths, ils sont mine de rien presque moins efficaces que les guerriers de Khorne. Non. Guerriers du chaos de Khorne. Only Khorne commands me. Il nous reste 10 tours avant de pouvoir gérer ça, et 14 avant de pouvoir gérer ça. Alors ici, on est refait, donc on a que 19 unités, mais c'est pas grave, on descend. Le cercle de la paresse, 75 000, badine du trompeur, bâton interdit, coche toujours pas un bail derrière Nevaïm, parchemin impie. C'est la teuf, nous devons continuer. Et on peut même pas aller tout de suite. Non, on peut même pas aller tout de suite là. Ouais. Et du coup, je suis sorti du mode campement et je peux plus y re-rentrer. Ça, par contre, c'est pas cool. Enfin tant pis, il va nous manquer quelques troupes à droite à gauche, on fera avec. On espère qu'elles nous manqueront pas trop. Ici, Malvinette peut continuer à foutre un peu la merde. Des maraudeurs à armes lourdes, les maîtres équestres, je pense que c'est eux les plus dangereux. Quoique les berserkers, ils peuvent faire mal. Hein. C'est quoi ça? Berserker, en résistance physique, attaque en mêlée, résistance physique, attaque en mêlée et rage. Ok. I control the frosts. Strike at their heart. No. Ok, on les diminue petit à petit. Petit à petit, petit à petit. Madness. No. Et ici, franchement, c'est tentant, hein. Après, on pourrait aussi recruter un petit peu. Deux comme ça, par exemple. Pourquoi que le canard, histoire de pouvoir contre-attaquer, parce que eux, là, mine de rien, on leur a quasiment rien fait. Hein. On n'a même pas réussi à terminer les chars éventreurs qui étaient quasiment morts, pourtant. Durée de l'effet... portée de l'effet 35 mètres, durée 31 secondes pendant 90 secondes. Invocation, il pouvait en faire deux des invocations, il me semble qu'il en a fait trois. Il en a fait trois. Hein. Il doit y avoir un moyen de le booster au début du combat, peut-être selon la rage qu'il a. Bon bah passons au tour de nos alliés et de nos ennemis, et puis bah voyons un petit peu ce qu'on nous propose. Aujourd'hui on est bien défensif, hein, tant que notre armée est dans le royaume du chaos. Hein. On n'a pas trop le choix malheureusement. Lui, je sais pas ce qu'il fait, mais pour l'instant, il est certes chiant, mais c'est pas une menace. Tant qu'il n'invoque pas des armées. Crâne rouge. Oh putain. Ça va douiller, ça va douiller. Bon, là, les armées vont se balader, mais ça nous regarde plus. C'est fini. Et les petits tours. Alors eux, est-ce qu'ils viennent nous aider? Ah, il a un ours maintenant, très bien. Et du coup il est passé en mode raid. Donc il vient nous aider mais moins vite que d'habitude. Pourquoi pas? Peut-être une stratégie, hein, il peut avoir envie de prendre les territoires une fois qu'ils seront tombés, hein. C'est une stratégie que, en tant qu'humain, on a tout à fait pas de mal à comprendre. Hein. Si c'est le cas, on ira s'étendre du côté de Malphos, je pense. Parce qu'au plus, il faut qu'on aille chercher les âmes des démons par là-bas. On va lui laisser cette zone-là, quitte à ce qu'il se démerde pour la défendre. Hein. Bon, c'est notre allié, donc plus il sera costaud, mieux ce sera. Ah, je sens qu'il va lancer l'assaut, même pas. Ici, on va lui tomber dessus par contre, lui. Il y a du monde qui se répand. Les Baer Selling s'étaient courus d'avance, hein, que si
Ah putain, ils ont réussi encore quoi. Six par six, petit à petit, hein, ils y arrivent. Bon, ici c'est mort. On va se faire écraser, on pourra pas tenir, on va devoir se replier. On va laisser tomber cette province, ça m'emmerde un peu, mais bon, c'est comme ça. Et ici. On va, je pense, arrêter l'épisode là et on va se faire un épisode combat sur. Sur le palais du plaisir, le palais de Slaanesh. J'espère en tout cas que cet épisode vous a plu, c'est quand même pas simple, mais on avance. Je vous invite à laisser un petit commentaire, me dire ce que vous en avez pensé, on se dit à très vite pour la suite. Merci à toutes et à tous.